in an hour. Today is anointing service. Aujourd'hui, c'est le culte d'onction. We are going to be talking on the anointing. Nous allons parler de l'onction. Anointing part 4. L'onction partie 4. Amen. Amen. Anointing part 4. L'onction partie 4. What is the anointing? C'est quoi l'onction? Anointing is not when they pray and people fall down. L'onction, c'est pas le fait de prier, les gens tombent. But it is the manifestation of the power of God. Mais c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Through a human being. À travers l'homme. God gives an ability. Dieu donne l'habilité. That manifests his power. Pour manifester sa puissance. So the anointing is the manifestation of the power of God. Dans l'onction, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. To heal. Pour guérir. To deliver. Pour délivrer. To bring salvation. Pour apporter le salut. That's the anointing. C'est ça l'onction. And the anointing is given by God. Et l'onction est donnée par Dieu. And the anointing is given for a purpose. Et l'onction est donnée pour un but. Let's see Isaiah chapter 61. Lisons Isaïe chapitre 61. Isaiah chapter 61. Isaïe chapitre 61. Ézéchiel. From verse 1 to verse 3. Isaiah 61 from verse 1 to verse 3. Isaiah 61, from verse 1 to verse 3. Isaïe 61, du verset 1 au verset 3. I will read one verse in English and you read it in French. The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to those who are bound. Isaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verse 2, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. Verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Verse 3. To console those who mourn in Zion, to give them beauty of ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. Verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, enfin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Amen. In Jesus' mighty name. Amen.
In the name of Jesus. Amen. So, the anointing is the manifestation of God's Spirit. Alors, l'onction est la manifestation de l'Esprit de Dieu. Through a human being. À travers l'homme. To heal. Pour guérir. To deliver. Pour délivrer. To bring salvation. Pour apporter le salut. You don't see the anointing. On ne voit pas l'onction. But you see the manifestation. Mais tu parles de la manifestation. Anointing is the manifestation of God's Spirit. L'onction est la manifestation de l'Esprit de Dieu. Which is the Holy Spirit. Qui est le Saint-Esprit. That's the anointing. Ça, c'est l'onction. You see, people are healed. Tu vois, les gens sont guéris. People are delivered. Les gens sont délivrés. When the anointing is present. Quand l'onction est présente. So you don't see the anointing that is present. Donc tu ne vois pas l'onction présent. But you see the manifestations. Mais tu vois la manifestation. You see the signs. Tu vois les signes. What are the signs of the anointing? Quels sont les signes de l'onction? You see healing. Tu vois la guérison. You see ability to teach. Tu vois l'habilité de parler. You receive revelation when they are preaching. Tu reçois les révélations quand tu prêches. You see blind eyes opened. Tu vois les gens aveugles, les yeux fermés s'ouvrir. You see those who are possessed delivered. Tu vois des gens possédés être délivrés. That is a sign. Ça, ce sont les signes. That the anointing is present. De la présence de l'onction. The anointing is given for a purpose. L'onction parle pour des buts. God this is for a purpose. God gives the anointing for a purpose. Dieu donne l'onction pour des buts. The anointing is not for nothing. L'onction ce n'est pas pour rien. It's for a purpose. C'est pour un but. And it is God who anoints. Et c'est Dieu qui oint. Yes, it's God who anoints. Oui, c'est Dieu qui oint. Jesus says. Jésus. He said. Jésus a dit. In Isaiah chapter 61. Dans Isaïe chapitre 61. That the Spirit of the Lord is upon me. Que l'Esprit de Dieu est sur moi. Because he has anointed me. Parce qu'il m'a oint. To do what? Pour faire quoi? Pour faire quoi? To heal. Pour guérir. He was anointed to deliver. Il a été oint pour délivrer. He was anointed to do good work. Il a été oint pour faire du bon travail. Look at Acts chapter 10, verse 38. Regardez Acts chapitre 10, verse 38. Acts chapter 10, verse 38. Acts chapter 10. Verset 38. Verset 38. Acts chapter 10, verset 38. Verse 38. It says, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Dieu était avec lui. Amen. Amen. So, Jesus went and was doing good. Dieu allait et faisait des trucs merveilleux. Jesus was doing good. Dieu faisait du bien. Jesus. Jésus faisait du bien.
Why? Pourquoi? Because he was anointed. Parce qu'il était oint. To do it. Pour le faire. When you see someone who is anointed, quand tu vois une personne qui est oint, you will know. Tu le sauras. Because he has the ability to do supernatural things. Parce qu'il a l'habilité de faire des choses supernaturelles. Without that ability, sans cette habilité, he cannot do supernatural things. Il ne peut pas faire des choses supernaturelles. Surnaturelles. What gives him the ability to do it? Qui lui a donné l'habilité de le faire? It is the anointing. C'est l'onction. We speak and you are healed. Quand tu parles, tu es guéri. We speak and you are delivered. On parle et tu es délivré. We speak and you are safe. On parle et tu es sauvé. Sauvé. Why? Pourquoi? It's because they are anointed. Parce qu'il y a l'onction. Because we are anointed to do the job. Parce que nous avons été oints pour faire ce travail. So because God anointed us, he gives us the ability. Parce que Dieu nous a oints, nous a donné l'habilité. It is the anointing that brings the result. C'est l'onction qui apporte le résultat. Whatever you do, peu importe ce que tu fais, if you want to see result, si tu veux voir un résultat, it is the anointing. C'est l'onction. Whatever you do in life, peu importe ce que tu fais dans la vie, there are people who walk. Il y a des gens qui travaillent with all their strength, avec toute leur force. But there is no result. Mais il n'y a aucun résultat. The anointing gives results to your work. C'est l'onction qui donne un résultat à ton travail. It's the anointing that opens door for what you are doing. C'est l'onction qui ouvre les portes par rapport à ce que tu fais. It's the anointing that commands favor for you. C'est l'onction qui commande la faveur pour toi. It is the anointing that positions you for divine attention. C'est l'onction qui te positionne pour des divines, pour l'attention pour des divine. Positions divines. Whatever you do, peu importe ce que tu fais, you succeed. Tu succeed. Tu réussis. Because parce que the anointing is working for you. Parce que l'onction parle pour toi. It's working. Travaille pour toi. Parce que l'onction travaille pour toi. So the anointing for today. Alors l'onction d'aujourd'hui is to command enlargement, expansion, and increase for your favor. Dans son de jeudi, c'est pour commander l'élargissement, l'expansion et la croissance pour ta vie. That is the anointing for today. Ça, c'est l'onction d'aujourd'hui. It means no one is permitted to fail this year. Personne n'est permis d'échouer cette année. Because of the anointing. À cause de l'onction. By the time the anointing comes upon your life, quand l'onction vient dans ta vie, everything that was not working will begin to work. Toute chose qui ne fonctionnait pas commence à fonctionner. Because the anointing is coming with life. Parce que l'onction vient avec la lumière. It's coming with life. Vient avec la vie. Amen. Every yoke of the devil in your life. Toute charge du diable dans ta vie. The Bible says it will be broken because of the anointing. La Bible dit cela sera brisé à cause de l'onction. Isaiah chapter 10 verse 27. Isaiah chapitre 10 verset 27. Isaiah chapter 10 verse 27. Isaïe 10 verset 27. Isaiah 10, 27, it reads. Isaïe 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. It shall come to pass in that day that his burden
will be taken away from your shoulder, and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. So every yoke, every charge, alors tout fardeau will be broken because of the anointing, because of the anointing. À cause de l'onction. That is why we are here today. Ça, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Everyone that is anointed, tout homme qui est oint, is positioned for divine protection. Est positionné pour les protections divines. Because of the anointing, you are under divine protection. À cause de l'onction, tu es sous une protection divine. Look at Psalms 105, verse 14 and 15. Regarde. Psalms 105. Regarde Psalm 1. 105. Regarde Psalm 105. Verse 14 and 15. Verset 40. Verset 14 à 15. Gloire à toi pour toujours, mon Dieu. 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 Verse 14. He permitted no one to do them wrong. Yes, he rebuked kings for their sake. Verset 14. Mais il ne permit à personne de les opprimer et il chassa des rois à cause d'eux. Verse 15. Saying, do not touch my anointed ones. And do my prophet no harm. Verset 15. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est l'écriture. Ça, c'est l'écriture. Those who are anointed. Alors, qui est oint? Is under divine protection. Ce sont. Ils sont sous la protection divine. Ils sont divines. Those who are anointed are under divine protection. Ceux qui sont oints sont sous la protection divine. So the anointing puts you under divine protection. Alors l'onction te met sous une protection divine. No arrow that is shot against you can prosper. Aucune flèche qui a été envoyée contre toi ne pourra prospérer. Because of the anointing. À cause de l'onction. So the anointing is given for a purpose. Alors l'onction a été donnée pour un but. You see somebody doing all his best. Si tu vois une personne faire son mieux, son meilleur. But still there is no good result. Mais à la fin, il n'y a aucun bon résultat. You sleep late and you wake up early. Tu dors tard et tu te lèves très tôt. Yet there is no good result. Malgré tout, il n'y a pas de bon résultat. You see someone read and go and write exam. Tu vois une personne lire pour aller composer. But yet cannot pass. Mais ne réussit pas son examen. All this, why? Tout ceci, pourquoi? There are negative powers that is working against you. Il y a des puissances négatives qui marchent contre toi. But the anointing comes to break all those powers. Mais l'onction vient pour briser toutes ces puissances. And the anointing comes to bring results to, et l'onction, to what you are doing. Et l'onction vient pour apporter un résultat sur ce que tu es en train de faire. Remember, the anointing. Rappelle-toi, l'onction is the power of God. C'est la puissance de Dieu. That is manifesting in our lives. Qui se manifeste dans notre vie. Every child of God who is anointed. Tout enfant de Dieu qui est oint. Goes with the presence of God. Va avec la présence de Dieu. Anywhere you go. Partout où tu iras. The presence of God is there. La présence de Dieu sera là. Why? Pourquoi? Because you are anointed. Parce que tu es oint. So the anointing is very important. Alors l'onction est très importante.
And that is what the Bible says. Ça, c'est pourquoi la Bible dit. Your head will not lack oil. Your head will never lack oil. Ta tête ne doit jamais manquer d'huile. There should always be oil on your head. Tu dois toujours avoir de l'huile sur ta tête. Because that oil on your head is commanding favor. Parce que cette huile sur ta tête commande la faveur. That oil on your head is making results. Cette huile sur ta tête apporte du résultat. That oil on your head is commanding divine protection. Cette huile sur ta tête commande des protections divines. Your head should always have oil. Ta tête doit toujours avoir de l'huile. I always have oil in my house. Je dois toujours avoir de l'huile dans ma maison. Because I have to anoint my children every time. Parce que je dois oindre mes enfants tout le temps. And I anoint myself. Et je dois me oindre moi-même. When I go out. Quand je sors. I see God as I go out. Je dis Seigneur comme je sors. Let this anointing oil. Que cette huile d'onction. Work for me. Marche pour moi. Holy Ghost. Saint-Esprit. Begin to work for me. Commence à travailler pour moi. Begin to open doors for me. Commence à ouvrir les portes pour moi. Let my effort have good results. Que mes efforts apportent des résultats. Let what I'm going to do bring results. Que ce que j'irai faire apporte des résultats. Look at John chapter 15 verse 16. Regardez Jean chapitre. John chapter 15. Chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 15. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, he may give you. Verse 16 in French. Jacques Kenzie says. Jean. Yes, Daddy. Says. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Anyone who is anointed, toute personne qui est oint, has the ability to be fruitful, a l'habilité d'être fructueux, has the ability to succeed in what you do, a l'habilité de réussir dans ce qu'il fait, and whatever you succeed in will never lose, et tout ce dont dans quoi tu réussis ne va jamais périr, perdu, d'être perdu. Why? Pourquoi? Because Jesus says. Parce que Jésus a dit. I have appointed you to succeed. Verset 16 dit quoi? Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. So you have been established to be fruitful. Alors tu as été établi pour être fructueux. And continue que ton. Continue à lire ça. Il dit quoi? Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez. So that your fruit will remain. Alors, et que ton fruit demeure. Not the success you have today and tomorrow, it disappears. Ce n'est pas le genre de succès que tu as aujourd'hui et demain, ça disparaît. The success that when it comes, it remains. Le succès qui va arriver doit rester. That is what God has positioned us to get. Ça c'est la raison pour laquelle Dieu nous a positionné. That is the thing he has given to us. Ça ce sont les choses qu'il nous a donné. So by this anointing, this moment. Alors par cette tension en ce moment. Your success will remain.
ton succès doit rester, doit demeurer. Whatever this anointing will bring to you, peu importe l'onction qu'on t'apporte à toi, it will remain. Ça doit demeurer. In the name of Jesus, au nom de Jésus. Wherever you were rejected, partout où tu avais été rejeté, you will be accepted. Tu seras accepté. Have you asked yourself this question? Pose-toi cette question. As-tu déjà posé cette question? T'es-tu déjà posé cette question? You are doing the same thing with somebody. Tu fais les mêmes choses avec une personne. But the person succeeds and you don't succeed. La personne réussit et toi non. There is a spiritual force holding your success. Il y a des forces spirituelles qui retiennent ton succès. But the anointing is going to break it today. Mais l'onction doit briser cela aujourd'hui. Amen. And there will be the anointing available for your success. Et il y aura de l'onction disponible pour ton succès. So that anywhere you go, alors que partout où tu ailles, the anointing will go with you. L'onction ira avec toi. The presence of God will go with you. La présence de Dieu ira avec toi. And whatever you do, et tout ce que tu feras, there will be a result. Il y aura un résultat. And your result will et remain. Ton résultat demeurera. Your result will remain and you will continue to have results. Ton résultat demeurera et tu continueras à avoir du résultat. It is God's desire. C'est le désir de Dieu. That you have fresh anointing every day. Que tu dois avoir l'onction renouvelée chaque jour. Frère, chaque jour. New anointing. Nouvelle onction. Fresh anointing. Le frais onction. Don't be ignorant. Ne sois pas ignorant. This anointing is given to us now. Cette onction nous est donnée maintenant. To enjoy this year. Pour jouir de cette année. To be successful this year. Pour réussir cette année. Everything you do. Toute chose que tu fais. There will be results. Doit avoir un résultat. Everything you do. Toute chose que tu fais. There will be a good result. Doit avoir un bon résultat. Any desire of your heart. Tout désir de ton cœur. You will receive it this year. You will receive it this year. Tu dois recevoir cela cette année. Because there is an anointing made available. There is an anointing that is available. Il y a de l'onction disponible. That is about to work for our favor. That is about to work for us. Qui est là pour marcher pour notre. In the name of Jesus. Nom de Jésus. Let the anointing of God. Que l'onction de Dieu. Hold that your anointing oil. Hold the oil. Arrêtez votre huile. Hold it. Arrêtez ça. Open it. Ouvrez. If you did not believe in the anointing oil. If you have never believed in the anointing oil. Tu n'as jamais cru à l'onction. Believe in it now. Crois en cela maintenant. God has given us the Holy Spirit. God has given us the Holy Spirit. Aïe, God. Yeah. Jehovah is your name. Jehovah is your name.
In the name of Jesus. Amen. Pour that oil. Open the oil and hold it. Mr. Grace, you are battling now. You are fighting battles now. Mr. Grace, are you getting me? Are you getting me? Yeah, man, oh God. You are fighting battles now. Yeah. You are fighting battles now. Do you know you are fighting battles? Yeah, I can feel it in my spirit. Yeah, you are fighting. Why do you think that battle is coming now? Because of what you did last time. No, there is something great ahead. Ahead. Amen. And they knew that you are about to receive anointing for this year. Okay. Which will also destroy all their plans. Amen. So they were just fighting, making sure you don't be here, you don't come here today. Yeah. I could feel, because I put on my clothes to go to the other church. I got at the shopping center. I came back home. Then I said, I will not be there. I will better wait for this anointing service of today. I even forgot to buy my bigger anointed oil. They almost break your phone today. Yes, both of them. I have two phones. Both of them even just fell, and I was like, they almost break them. Every still alive. Because they didn't want you to be here today. God forbid. But as we pray now, amen. Hold the anointing oil, everyone. Mary, let's go. Hold the anointing oil. Tenez vos udonsions. We are going to pray to this oil. Nous allons prier sur cette huile. And anything that you will anoint with this oil. Et toute chose que tu vas oindre avec cette huile. The power of God. La puissance de Dieu. Will bring a good result. Apportera un bon résultat. Amen. 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 We were in the immigration camp. Yes. Follow me, please. We were in the immigration camp. Nous étions dans le camp d'immigration. And we had a church there. Et nous avons une église là-bas. So, we were praying for people like this. Nous prions pour des gens comme ça. And there was a boy there with deportation letter. Et il y avait un monsieur là-bas avec une lettre de déportation. De déportation. They already gave him a deportation paper. On lui avait donné une lettre de déportation. To take deport him back to Cameroon. Pour qu'il rentre au Cameroun. But that night we were praying. Alors cette nuit qu'on priait. It was an anointing service. Il y a l'onction qui est descendue. It was an anointing service. Il y avait une onction. C'était un culte de l'onction. Onction. So I told him to bring his paper. Je lui ai dit d'apporter son papier. We anointed that paper. Nous avons oint ce papier. And 1 week after that anointing,
Alors, un week-end après cette tension. One week, une semaine. One week. Une semaine. After that anointing. Après avoir ouvert le document. The immigration officer called him. L'office de l'immigration l'a appelé. And they took that his deportation paper. Et ils ont pris le papier de déportation. And they gave him a positive result. Ils lui ont donné un résultat positif. Amen. He is now in the United States. Il est maintenant aux États-Unis. That is what God did. Ça, c'est ce que Dieu a à faire. To understand something. J'espère que vous comprenez quelque chose. Every battle you face, toute bataille que tu rencontreras, there is a spirit behind it. Il y a un esprit derrière cela. Don't see anything from the surface. Il faut pas voir toute chose sur la surface. En surface. Don't look at anything from the surface. Ne regarde pas toute chose en surface. There is something behind it. Il y a quelque chose derrière cela. That's why we want to invoke the anointing of God. Ça, c'est un exemple qu'on doit invoquer l'onction de Dieu. So that it will be behind you. Comme ça, il sera juste derrière toi. He will be with you. Il sera avec toi. So that things that were not working will begin to work. Alors que comme ça, tout ce qui ne fonctionnait pas va commencer à fonctionner. Amen. So that anointing will command positive results. Que cette onction va commander des résultats positifs. For your favor. Pour ta réussite. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. Look at Isaiah chapter 45. Regardons Isaïe chapitre 45. Isaiah 45. Isaïe 45. Isaiah 45. Isaïe 45. Verse 1 to verse 3. Verse 3. I'll read one verse and you read it in French. Thus says the Lord to his anointed, to Matthias, a woman whose right hand I have held to subdue nations before him and to loose the armor of kings, to open before him the double doors so that the gates will not be shut. In French, Isaiah 45, verse 1. Ainsi parle Ésaïe 45, verset. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Verset 2. Qu'il tient par... Continue. C'est pas verset 2 là-bas. C'est tout d'Adi. Ésaïe 45, verset 1, chez moi, c'est tout d'Adi. Ok, continue. Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois. Pour lui offrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Ok. I will go before you and make the crooked places straight. I will break in pieces the gates of bronze and cut the bars of iron. Verse 3. I will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places.
that you may know that I, the Lord, who called you by your name, I am the God of Israel. Verset 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. These are the things that will follow you because of this anointing. Ce sont des choses qui doivent te suivre à cause de cette onction. God said he will, because of the anointing. Dieu a dit à cause de cette onction. You will destroy kingdoms. Tu dois détruire des royaumes. Amen. That's what verse 1 is saying. Ça, c'est ce que le verset 1 dit. He said, kingdoms, you will destroy them. Il dit, des royaumes, tu les détruiras. Then he said, because of that anointing, he will open double doors. Donc, à cause de cette tension, ça t'ouvrira des portes, de nombreuses portes. He will open double doors. That's verse 2. À cause de cette tension, des doubles portes seront ouvertes. He said, he will open double doors. Il dit, tu ouvras des doubles portes. Doors of favor. La porte de faveur. Doors of opportunity. La porte des opportunités. Doors of success. La porte du succès. Doors of helpers. La porte d'impact. Doors of helpers. La porte d'aide. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. He said, by this anointing, he said, my presence will go with you. Il dit, à travers cette tension, ma présence ira avec toi. He said, I will go before you. Il dit, j'irai devant toi. Yes, I will go before you. J'irai devant toi. So that anything that is bad, I will remove it. Amen. Comme ça, toute chose qui est mauvaise, je retirerai cela. So, the anointing will put God before you. Alors, l'onction mère mettra Dieu devant toi. The anointing will put God before you. L'onction mettra Dieu devant toi. Then verse 3, he says, I will give you the treasures of darkness. Alors le verset 3, il dit, je te donnerai les trésors cachés. It means even the treasures that the enemy stole from you. Même si ce sont des trésors que l'ennemi t'a pris. He said he will take from demonic banks and give you. Yes. He will take from occultic people. Don't be afraid of their money. God said, I will take the money and give you. Dieu dit, je vais prendre l'argent, je vais te donner. Même si c'est l'argent du secte, n'aie pas peur. Dieu a dit, je vais prendre l'argent. Lis le verset 3 là. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. Right now, because of that anointing. Maintenant, à cause de cette onction, the treasures of dark places. Les trésors des endroits sombres. We command it. Yes. Prenons cela. We command it now. Nous commandons cela. Let the east wind. The east wind. The wind from the east. Le vent de l'ouest. West. Let the wind from the east. Que le vent de l'ouest. The east, the wind from the west. Le vent de l'ouest, de l'est. The wind from the south. Le vent du sud. The wind from the north. Le vent du nord and from the center, et du centre begin to blow those riches now. Commence à ramener ces richesses maintenant. Begin to gather them now. Commence à rassembler cela maintenant. And bring them to you wherever you are. Et ramène cela peu importe où tu te trouves. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I command that oil to be anointed. Je commande cette huile d'être oint. It is not ordinary oil. Ce n'est pas une huile ordinaire. But it is the anointing oil. Amen. Mais c'est une huile oint. Every battle that has been in your life. Toute bataille qui est dans ta vie. God take over. Amen. Dieu prend charge. Let God take over. Amen. Let God take over. Amen. Dieu prend charge maintenant. In the name of Jesus. Amen. Put some of that oil on your hand. Oh, yes.
Put some on your hand. Mets un peu sur ta main. Put it on your hand. Mets cela sur ta main. Everyone. Put some on your hand. Mets un peu sur ta main. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Put a hand on your head. Mets cette main sur ta tête. Put that hand on your head. Mets cette main sur ta tête. Yes. It's time for battle. C'est le temps des batailles. It is time for battle. C'est le temps de la bataille. Mets ses mains sur la tête. Quelque chose va marcher sur ton corps, dans ton esprit. La puissance de Dieu va marcher sur ton corps. Cette puissance va marcher de ta tête jusqu'aux pieds. Cette puissance va fouiller ton corps. Toutes sortes de maladies. Cette puissance va fouiller ton corps. Fouiller ton esprit. Yes. Toute bataille. Ils sont fortifiés. Ils se sont programmés. À te faire échouer encore cette année. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, comme cette lui dans son est sur ta tête, Dieu prend charge de cette bataille. Seigneur, prends charge de cette bataille. Parce que cela dit ta parole. Et tu combattras pour nous. Maintenant, prends charge de ces batailles. Les batailles spirituelles, les batailles physiques. Les batailles que nous voyons, les batailles que nous ne voyons pas. Les batailles qui se passent dans nos esprits maintenant. Toute bataille cachée. Tout agent des ténèbres masqué. Cette lui d'ancien, commencez à agir. 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 Maintenant. Maintenant. Toutes sortes de poisons. Toutes sortes de flèches. Au côté paternel, côté maternel. Toutes sortes de flèches dans le lieu céleste. Toutes sortes de flèches dans l'enfer. Toutes sortes de flèches là où tout est retour. La distance n'est pas une barrière. Voilà pourquoi Dieu l'a tellement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Que dans le nom de Jésus, tout genou franchira. Franchira. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Maintenant, je déclare dans le nom de Jésus. Toutes sortes de rassemblements qui se sont faits contre vous. Maintenant, 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 l'Esprit de Dieu vivant, commencez à agir, commencez à les disperser, commencez à les disperser, commencez à les disperser, commencez à les disperser. Maintenant, 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 l'Esprit de Dieu vivant, commencez à les détruire. Maintenant, toute main qui a touché ton étoile, 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 every hand that has touched your star, toute main qui a couvert ton étoile, toute main qui a couvert ton étoile, every hand that has touched your star, toute main qui est en train de manipuler ta vie maintenant, je ne connais pas la main, je ne connais pas la main, mais Dieu voit où. Donc je déclare le feu de cet esprit, je déclare le feu de Saint-Esprit, sur toutes les mains, toutes les mains qui manipulent ton star, qui manipulent ton étoile, au nom de Jésus, toutes les mains qui a été imposé sur ta tête, qui a été mis sur ta tête, maintenant, il manipule ton étoile pour que ton étoile ne brille pas, pour que ça ne brille pas. Dans le nom de Jésus, avec sa maintenant, sois libéré, sois libéré, sois libéré, amen, 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 Jesus. Lord, thank you.
Thank you, Father. Thank you, Jesus. Receive the name of Jesus. Take all your papers, please. Those of you who have papers, take paper. Prends tous les papiers. C'est de vous qui ont les papiers. Prenez les papiers. Un tout papier qui est à immigration que vous avez. Prends ça. Take paper. Take paper. Every paper. We have to anoint them. Paper. Get paper. Passport. Voilà passport. Voilà immigration paper. Any paper. Get it. Get it. Get it. Get it. Immigration paper. Those of us who are in foreign countries, they like to fight immigration. They like to fight immigration. In the name of Yeshua Mashiach, in the name of Jesus Christ, right now, raise it up. Raise it up. In the name of Jesus. Raise it up. Raise it up. Thank you, Jesus. 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 Hold it, hold it. That's the document. Document. If you don't have it, hold it in your phone. Hold it, hold it, hold it. In the name of Jesus. Hold it. You will see something here today. Amen. This one, they don't get that. Hold me those documents. Thank you, Jesus. Hold it, hold it. Hold it. I pass it on the table. Bring it. Hold it, hold it, hold it. Good. Father, we thank you. King of glory, we thank you. Hold it. Anything that has to do, hold your bank card. Hold your bank card. Hold your immigration document. Anything that has to do with you that needs anointing, hold it. Is it your school document? Hold it. You must pass that exam this year. Hold it. In the name of Jesus, hold it. Hold it. Father, we thank you. King of glory, we thank you. Is it your green card that you are expecting? Is it your passport you are expecting to receive? Foreign passport? Is it green card? Is it residency? Whatever you are expecting to receive, is it asylum? Whatever you are expecting to receive, hold it. Even the document of your children or your brothers, hold them. Hold them. You will see miracle here today. Amen. You will know today that there were forces manipulating these papers. There are forces that manipulate them. Hold it. Asylum will be granted after this anointing. Amen. Asylum will be granted. Amen. Yes, asylum will be granted. Amen. Asylum will be granted. Amen. Hold your papers. Arrête les papiers. Tout papier que vous avez. Arrêtez ça. Amen. Soit le passeport. Soit la résidence, soit le visa, toutes sortes de passeports, toutes sortes de documents. Arrête ça. Arrête ça, amen. Au nom de Jésus-Christ, arrête ça, amen. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Thank you, Lord. Seigneur, nous te disons merci. Thank you, Lord. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Arrêtez tout ça. Amen. Soit votre carte bancaire, soit votre document, soit votre passeport, soit votre lettre de travail.
whatever it is, hold it. In the name of Jesus, amen. The Spirit of God is going to act upon it now. Amen. Hold it. Hold passport. Those who are expecting to get a visa, hold the passport. Those who are expecting to get residency, hold the passport. Those who are expecting to get nationality, hold the passport. Whatever you are expecting, every project you have, every project you have, anything that represents your destiny, every project you have, is it your project for your vision? Is it your project for building? Any project you have, any dream you have, hold it now. The anointing of God is coming to touch it. The anointing of God is coming to touch it. The anointing of God is coming to touch it. Father, we thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, in the name of Jesus. Yes. Hold that oil and begin to anoint those documents now. Mm. Take that oil and begin to anoint thank it. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. You hold it. In the name of Jesus. Begin to anoint them. Begin to anoint them. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Begin to anoint them. Yes, Lord. And as you anoint those documents, I decree, may they experience enlargement. Amen. In the name of Jesus. Amen. Come to one the two said document. Commencez à aller one day maintenant. Il faut commencer à aller one day. Prends lui dans son. Il faut one the two said document. Il faut one the two said document. One the two said document. Au nom puissant de Jésus Christ. Quel qu'en soit le bureau qui est en charge de ces documents, un Saint-Esprit de Dieu vivant, il faut que ces documents soient relâchés. Il faut que ces documents soient relâchés. Il faut qu'il y ait des résultats. Les résultats positifs. Les résultats positifs. Au nom de Jésus. Let there be positive results. Let there be positive results. Right now in Jesus' name. Right now in Jesus' name. Right now in Jesus' name. Amen. I stretch my hand at the council, à l'ambassade. Je tape ma main au bureau de immigration, à la mairie, partout là où tes dossiers sont déposés. Yes. Reçois la résidence. Amen. Reçois le visa. Amen. Reçois la nationalité. Amen. Reçois l'asile. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Receive your benefit. Doors open. Receive. Doors open. Amen. Hardship end now. Amen. Delay end now. Amen. Delay end now. Amen. Delay end now. Amen. Amen. Now your document be released. Amen. Amen. Be released. Amen. Amen. Sois relâché au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Sois relâché au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Sois Amen. Libéré au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'étends ma main vers ton téléphone. Oh, yes. Vers ton téléphone. Thank you, Jesus. Vers ton téléphone. Hold your phones. Thank you, Jesus. Si tu as le porte-monnaie, arrête ça. Si tu as le téléphone, arrête ça. Hold your phone. In the name of Jesus. Amen. Tout debt, every debt, tout crédit dans ta vie soit annulé. Amen. Au nom de Jésus. Tout trou. Every hole on your purse. Yes, Lord. Tout trou sur ton porte-monnaie. Tout trou soit annulé. Amen. 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 Cet appel qui doit changer ta vie. Oh yes. Cet appel qui doit changer ta vie. Yes, Lord. Cet appel qui doit changer ta vie. Yes, Lord. Cet appel qui doit changer ta vie. Yes, Lord. Alléluia.
Cette email que tu attends depuis. Yes, Lord. Cette email que tu attends depuis. Maintenant, cet téléphone soit ouvert. Cet téléphone soit ouvert. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois cet appel. Reçois cet message. Reçois cet appel. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Que tout soit accompli au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais vous partager un témoignage. La nuit de la croisade de traversée, j'ai prié avec une femme sur la croisade. Et j'ai dit à la femme, apportez-moi ton téléphone parce que je vois un appel que tu attends depuis qui devait venir. Mais ton téléphone est bloqué. Elle m'a dit qu'elle n'a pas le téléphone Android. J'ai dit qu'apporte-moi le téléphone que tu as. On a prié sur le téléphone. Et aujourd'hui, pendant qu'on était en train de faire culte avec, je faisais culte avec eux, elle est venue. Et après cette prière, le lendemain, quelqu'un l'a appelé depuis les étrangers. Et c'est comme ça que la personne l'a envoyé de l'argent. Amen. Mais la personne ne connaissait même pas qu'elle avait besoin de l'argent. Mais ça, c'est une aide qui avait été bloquée. Qui avait été bloquée. Il y a les gens qui pensent que c'est vrai à te faire du bien. Mais le moment qu'elle prend leur téléphone pour t'appeler, leur téléphone commençait à être percé. Et puis, le téléphone begins to heavy. They put your number to call. Your number does not ring. It's not ringing. Ça ne sonne même pas. Et ta paix, ça ne sonne pas. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est simple. Ça veut donc dire qu'il y a une force dans le plan spirituel qui bloque le téléphone parce qu'il y a une bonne nouvelle qui doit entrer. Voilà donc pourquoi j'ai prié que la semaine qui suive, que tu reçois les appels qui avaient été bloqués. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois Amen. Béni au nom de Jésus. Amen. Be delivered in Jesus' name. Amen. The Lord is your strength. Amen. You are free in Jesus' name. Amen.